Salut à tous les amis, c'est Cartman SP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le achat jeu vidéo numéro 4. Donc, j'en fais pas tout le temps, j'en fais pas tous les mois non plus. Et là, on se retrouve pour le numéro 4. Donc, bah, vous voyez que je suis sur la console. Donc, pour cet achat numéro 4, donc j'ai acheté deux jeux. Donc, vous les voyez là. Donc, c'est deux jeux de voiture. Donc, il y a Project Car et The Crew, que j'avais avant, que j'ai racheté, puisque là j'ai la version avec l'extension. Donc Project Car, j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai acheté peut-être même pas une semaine, et The Crew c'est pareil. Bon, The Crew je l'ai acheté 19€ et Project Car 22. Donc je vous montre les CD comme d'habitude. Donc très très bon jeu, Project Car, très 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 bon jeu. De simulation pure, puisque c'est vraiment que de la simulation en circuit. Et puis c'est beaucoup plus complexe que Drive Club. Et The Crew que j'ai acheté, comme je vous dis, 19€ à Stargame. Donc quand je vous ai fait le vlog, justement, mon premier vlog, bah, j'ai acheté ce jeu là en fait. J'ai acheté The Crew et aussi super bon jeu que j'avais déjà avant mais que j'ai revendu. Donc là je l'ai racheté puisque maintenant j'ai la version Wildrun, donc l'extension qui est sortie il y a 2 mois je crois, qui rajoute pas mal de trucs. Donc ces deux jeux là, bah, que je dirais dessus, bah, deux jeux de voiture qui sont bah, très bien. Je vous montre comme ça, je vais vous montrer derrière, qui sont vraiment très bien. Donc si je devrais en conseiller un pour le simulation, c'est Project Car. Et un jeu un peu plus détente, bah, je conseillerais The Crew, qui se rapproche plus de NFS et qui est même un peu mieux que NFS, sachant que la carte est beaucoup 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 plus grande que Need for Speed, donc le dernier. Donc je vous en ferai assez souvent des achats, enfin pas trop souvent des achats jeux vidéo. Enfin j'en fais justement quand j'achète des jeux, et j'achète pas souvent des jeux. Donc là je me suis dit, bah, pourquoi pas vous faire continuer tout simplement cette série, puisque le dernier épisode il date de assez longtemps. Et puis voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo achat hebdo, enfin achat jeu vidéo numéro 4 vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un like, vous abonner et pourquoi pas commenter. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut !